you <laughs> Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et comme vous l'avez vu avec cette introduction ou sur les réseaux sociaux si vous me suivez sur Instagram, aujourd'hui on va faire un clip à la Colors. L'idée est née un soir où c'était absolument pas prévu de faire ça, on a fait ça sur deux jours tournage et montage compris et donc aujourd'hui je vous propose de recréer un effet similaire. Que l'on soit d'accord immédiatement, si on met de côté... Le micro, que j'ai récupéré d'un clip Colors, mais on en reparlera juste après. Tout a été créé par mes soins. Que ce soit les dégradés, la scène, etc. Donc dans le tuto, on va aborder tous ces points là. Que ce soit l'aspect esthétique d'un clip Colors. Que ce soit au niveau des textes et de comment ils sont présentés durant les clips. Que ce soit bien évidemment la partie tournage et tout le montage du clip. Parce que vous allez voir, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mais il y a des techniques pour faire plus simple, on en reparlera juste après. Comme vous l'avez vu, le clip sortira en entier demain. Vous retrouverez dans la description l'Instagram de mon frère et à à partir de demain du coup le lien vers le clip quand il sera sorti. Bref, ceci étant dit, commençons tout de suite parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir. Le tournage, comment va-t-il se dérouler C'est pas très compliqué, mais ça va vous prendre un petit peu de temps. Premièrement, vous allez avoir quatre plans différents. Un gros plan, un plan moyen, un plan large en plein pied et un plan de dos. Je simplifie les termes volontairement pour le tuto. Pour les plans, vous avez deux solutions. Soit vous êtes équipé de plusieurs caméras et auquel cas vous pouvez faire du multicam, ce que je vous conseille, ce sera un grand confort pour le moment où il faudra passer sur Premiere Pro. On y reviendra juste après. Mais si ce n'est pas possible, il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir faire extrêmement attention. C'est d'essayer de reproduire les mêmes mouvements, tout du moins autant que vous le pouvez, d'une prise l'autre et tout du moins d'un plan à l'autre comme une fois sur Premiere Pro on va devoir faire s'enchaîner les plans avec une cohérence visuelle avec une cohérence de position forcément si d'un plan à l'autre votre personnage n'a pas du tout la même position n'a pas du tout la même expression faciale forcément ça va rendre moins bien bref il y a quatre plans à faire mais alors du coup qu'est ce que vous allez devoir faire durant ces plans vous allez devoir vous filmer sur fond vert, jusque-là vous vous en doutiez je pense, et vous allez devoir faire du playback. Donc pour ça c'est pas très compliqué, vous mettez votre musique sur le téléphone ou sur une enceinte et vous chantez par-dessus. De toute façon le son original de la vidéo ne sera pas dans le clip final. Donc ça c'est pas bien grave. Et ce que je vous conseille, et encore une fois on en reparlera une fois qu'on passera sur Premiere Pro, vous allez vraiment comprendre le pourquoi du comment, je vous conseille de faire plusieurs prises, entre 3 à 5 prises pour chaque plan. Cela va permettre de varier les positions, puisque bien évidemment c'est très compliqué, surtout quand vous avez une seule caméra, de faire les mêmes positions sur chaque plan. Et donc sur Premiere Pro, quand vous allez devoir remonter le clip, puisque ça va vraiment être un jeu de puzzle, vous allez avoir plusieurs sources pour piocher des plans et avoir quelque chose de cohérent. Donc faites-moi confiance, c'est un grand confort. Plus vous avez de prise, plus vous avez de choix dans vos plans une fois en post-production. Et du coup, au niveau technique, comment ça se passe Déjà, au niveau de la lumière, comme vous êtes sur fond vert, il va falloir mettre un maximum de lumière pour éclairer votre sujet et également pour éclairer votre fond vert. Jusque-là, c'est pas un secret. Pour ma part, j'ai utilisé cinq lumières. On a deux Amaran 100 D avec des lanternes à putir de 90 cm qui vont vraiment faire un éclairage diffus un petit peu dans toutes les directions. C'est l'avantage des lanternes. Ça va un petit peu tout éclairer. Et donc, si ça éclaire les murs, le sol, le plafond, forcément c'est de la lumière qui va être réfléchie et donc qui va encore plus adoucir la scène. C'est un bon point. Pour éclairer mon fond vert, j'ai utilisé deux parapluies, on ne peut plus basiques. Et j'ai également mis une softbox en guise de backlight, on ne peut plus classique. D'un plan à l'autre, vous n'avez pas à changer la lumière. Les deux choses qui vont pouvoir changer c'est d'une part la caméra forcément pour changer l'angle ça c'est évident et d'autre part si vous bougez la caméra et que votre fond vert n'est pas assez grand à ce moment-là, il faudra le déplacer lui aussi. Mais normalement, si votre éclairage est réussi, si vous avez quelque chose de relativement diffus, le déplacement du fond vert d'un plan à un autre ne devrait pas trop poser de problème. Mais si après vous avez un grand fond vert comme moi, c'est toujours mieux. Encore deux petites choses, comme je vous l'ai dit, vous avez un plan large, un plan en plein pied, donc où on voit votre sujet en entier, ça va être important de faire plusieurs choses et de retenir plusieurs choses pour ce plan-là. Premièrement, vous allez mettre vos pieds perpendiculaires à l'axe de la caméra, c'est-à-dire que l'axe de la caméra va comme ça, et vous allez mettre votre pied comme comme ça et surtout vous allez mettre les deux pieds dans la même direction et ce sera en l'occurrence vers la gauche et surtout chose très importante sur le plan large les pieds ne doivent pas bouger faites moi confiance ça vous facilitera la vie pour le montage surtout qu'en post-production après on va devoir recréer les ombres pour les pieds donc croyez moi c'est vraiment un gain de confort que de ne pas bouger également pour ce plan vertical je vous conseille de tourner votre caméra à 90 degrés vous aurez du coup beaucoup plus de place à l'image pour mettre votre sujet même si vous allez devoir quand même reculer pas mal votre caméra moi j'étais à peu près à 3-4 mètres du sujet et forcément, vous allez être relativement limité dans vos mouvements, donc ça va être important de prendre ça en considération au moment de votre tournage. Au cas où vous ne l'aviez pas compris, c'est un tuto qui est relativement compliqué par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir, tout du moins depuis le début de l'année. Une dernière petite chose, et ensuite on va pouvoir passer sur le logiciel, je vous conseille d'utiliser un repère visuel pour le micro, quelque chose qui va symboliser le micro dans la scène, ça va donner une indication à votre sujet pour l'endroit où il doit regarder. Pour ma part, j'ai utilisé un trépied, et j'ai donc dit à mon frère que ce trépied représentait le micro, et que donc, à chaque fois, il devait regarder le micro, jamais regarder la caméra, comme si vraiment il devait s'enregistrer, comme si c'était une session d'enregistrement de studio. Sauf que là, c'est juste pour un clip. Bref, on refait une petite synthèse quatre plans différents, 3 à 5 prises sur chaque plan. On essaye d'avoir les mêmes mouvements et le tout filmé sur fond vert. Et une fois que vous avez tout ça, on passe tout de suite sur Première Pro. Avant de passer sur le montage du clip, on va juste créer le texte qui se trouve au début. Ça va nous mettre un repère pour le début du clip justement, c'est assez important, vous allez voir. Donc premièrement, vous allez créer un texte, normalement vous n'avez pas besoin de moi pour cette étape, et on va le faire durer 7 secondes. Ensuite, pour le texte, on va venir marquer le nom du studio. Alors là où normalement il y a marqué Colors Studio, moi, pour le coup, j'ai marqué New School Studio. Mais quand même avec la même esthétique et la même présentation que Colors. Je vais vous montrer. Donc, premièrement, je tape New School Studio tout en majuscule. Je vais passer la taille de la police d'écriture de 100 à 80 et je vais modifier la police d'écriture pour la mettre à Coolvetica. Alors si vous n'avez pas la police d'écriture CoolVetica, je vous mets un lien dans la description pour la télécharger. Ensuite, vous sélectionnez votre texte et vous allez modifier l'approche du texte, donc ça va être l'écart entre les lettres, et vous allez passer de 0 à 150. Et une fois que cela est fait, vous allez rajouter un écart entre la première partie du nom, qui pour moi en l'occurrence est le New School, et la deuxième partie du nom, donc le Studio. Vous allez rajouter un écart, puisque l'on va rajouter une petite croix un petit peu tournée, c'est ce que l'on voit d'habitude dans Colors, donc vous allez dupliquer votre texte, vous allez le modifier et mettre juste un plus. Vous modifiez la taille de la police d'écriture, vous passez de 80 à 50. Vous modifiez la rotation et vous la passez de 0 à 14. Et ensuite, vous allez pouvoir venir replacer le petit plus. Et personnellement, je vais rajouter un effet de faux gras puisque je trouve que ça manque un petit peu d'épaisseur. Comme ceci. Et là, du coup, vous avez le premier texte. Ce texte-là, on va le couper au bout de 2 secondes et 18 images puisque c'est sa durée normale dans un clip colors. Donc, je me mets à 2 secondes 18. Je raccourcis mon plus puisque lui, bien évidemment, va disparaître. Je fais un cut au niveau du texte new school, et maintenant je vais avancer de 12 images et isoler le deuxième texte, comme ceci. Et maintenant, à la place du New School Studio, on va marquer le nom de l'artiste et le titre de la chanson. Donc vous avez le nom de l'artiste, un tiré qui va séparer le nom et le titre de la chanson, et donc le titre de la chanson juste à côté. Il nous reste juste à modifier la taille de la police d'écriture et la passer de 80 à 50. Et là, du coup, on a nos textes de début. En fait, la musique va commencer dès le début du clip, sauf que en introduction, on n'a pas directement. La personne, on a cette intro, et une fois que les 7 secondes sont passées, on commence avec le vrai clip, mais la musique commence dès le début. C'est un détail, mais il faut le savoir. L'étape suivante est très simple, vous allez découper votre musique pour alterner les plans. En fait, dans votre musique, vous allez juste faire un découpage pour vous repérer, histoire de dire « à tel moment, je change de plan, à tel moment, je passe en gros plan, etc. etc. » C'est juste du confort. Et particularité d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément très fréquent... Là, pour le coup, vous pouvez couper en rythme avec la musique ou en rythme avec ce qui s'y passe. S'il y a un changement d'instrument, vous faites un cut. S'il y a une percussion, vous faites un cut. Ça, c'est du classique. Mais assez bizarrement, vous n'êtes absolument pas obligé de suivre cette démarche. Vous pouvez aussi faire des cuts un petit peu comme vous voulez. Respectez juste cette règle simple que chaque cut doit durer quelques secondes, vous ne devez pas avoir des cuts épileptiques, vous ne devez pas avoir du jump cut rapide. Ça, c'est important à comprendre. Bien, du coup, une fois que la musique est découpée, moi, ça me donne quelque chose comme ça. On a à peu près une quarantaine de plans. Ça fait pas mal de changements dans le clip. Pour ma part, je trouve que c'est relativement bien, c'est pas surchargé. Et bien évidemment, selon la durée de la musique, vous ajustez, vous faites un peu plus ou un peu moins. Mais entre 30 et 50 plans, selon la durée de la musique, ça me paraît plutôt pas mal. Une fois que votre musique est découpée, vous allez importer chaque prise que vous avez faite et vous allez recaler le son avec l'image. Bon, jusque-là c'est très simple, vous pouvez même utiliser l'outil de synchronisation de Premiere Pro. Je vous mets un tuto en haut de l'écran si ça vous intéresse. Donc l'idée, comme je vous l'ai dit, ça va être de faire un découpage. Donc au moment de changer un plan, imaginons, je dois passer du plan numéro 2 au plan numéro 3. Je veux que ce soit un plan de plein pied, je sais que cette prise est de plein pied, je sais que ce plan est le suivant, donc j'ai juste à le sélectionner et à venir le replacer. Encore une fois, c'est vraiment important d'avoir une bonne organisation sur ce genre de montage, notamment quand on ne peut pas faire du multicam. Bien évidemment, si vous aviez pu faire du multicam, bah alors là c'est royal au bar il n'y a absolument aucun problème du coup vous avez importé toutes vos prises et vous avez fait la découpe alors pour ma part et pour vous expliquer comme vous le voyez à chaque fois la musique a une couleur différente ça va être pour représenter les différents plans donc ici on a le plan en plein pied Ici, on a le plan de dos, ici, on a le gros plan, et ici, on a le plan moyen. Et bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué, à chaque fois, il y a trois prises pour chaque plan, et chaque prise est découpée, puisque comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ça va vraiment être un jeu de puzzle, et on voit exactement ce que je vous ai également expliqué plus tôt, d'avoir ces différentes ressources, ces différents endroits où vous allez pouvoir piocher à gauche à droite vos plans pour les faire s'enchaîner durant votre musique. Une fois que vous avez assemblé votre clip, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Alors, chose très importante, et je vous invite à le faire aussi, encore une fois, c'est une question d'organisation selon les plans si c'est le gros plan le plan de dos le plan plein pied etc mettez les sur une piste différente comme ça au moins vous allez rapidement les retrouver et ce sera plus facile pour vous maintenant on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante là c'était vraiment la partie technique la partie organisation maintenant on va passer sur la partie vraiment créative la partie visuelle on va pouvoir créer les dégrader, détourer notre personnage, etc., etc. pour le coup, pour le détourage, on garde les mêmes techniques que d'habitude. quand vous sélectionnez votre plan, vous commencez bien évidemment par faire un masque pour isoler votre sujet. alors je vais baisser un tout petit peu la taille de mon image. on isole le sujet comme ça. ensuite, il nous reste juste le fond vert et le sujet justement. et ensuite, vous allez pouvoir utiliser deux effets. premièrement, vous allez utiliser l'effet couleur lumétrie pour mettre en avant la couleur verte. donc, vous glissez déposer l'effet sur votre plan. vous descendez, vous allez dans tsl secondaire, vous sélectionnez la petite pipette, définir la couleur et vous sélectionnez le vert. Vous cochez la case afficher le masque pour mettre en couleur ce qui va rester et en gris ce qui va partir. Et bien évidemment n'hésitez pas à adapter les sélecteurs. Pour ma part, je vais prendre plus large ne serait-ce qu'au niveau de la luminosité et au niveau de la saturation. Et ensuite, avec la roue chromatique, vous allez déplacer le curseur vers le vert pour donner plus de saturation. Comme vous le voyez, le vert est beaucoup plus saturé. Si je désactive le TSL, on voit que le vert de base est un peu plus terne. Et bien évidemment, n'oubliez pas de décocher la case afficher le masque. Et ensuite, vous allez appliquer l'effet Ultra Key qui, là pour le coup, va vous enlever toute la couleur verte. Et également comme d'habitude, et de toute façon, je vais bientôt refaire un tuto sur le fond vert. Vous passez les paramètres de par défaut à dynamique pour avoir une plage plus grande de sélection. Et avec la pipette, vous sélectionnez la couleur verte. Et là, votre sujet est détouré. Et bien évidemment, une fois que vous avez détouré un plan, là par exemple, c'est le plan moyen, je vais copier-coller les effets sur tous les autres rushs où il y a un plan moyen. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Maintenant que le détourage est fait, on va venir créer les dégradés, puisque bien évidemment, il faut un support pour notre sujet. C'est important. Donc pour ça, vous allez mettre un cache couleur de n'importe quelle couleur, ça c'est pas important, sous votre sujet que vous avez détouré. Et sur ce calque d'effet, vous allez ajouter l'effet dégradé. Comme vous l'avez vu, chez Colors, on a vraiment une esthétique très simple avec une couleur unie et des variations de lumière du plus clair au plus sombre sur cette même couleur. Pour l'exemple, je vais changer un petit peu par rapport à ce que j'avais dans le tuto. Pour la couleur de départ, vous allez prendre une couleur relativement claire. Et pour la couleur d'arrivée, vous allez sélectionner à nouveau la même couleur. Et ensuite, vous allez la mettre en beaucoup plus sombre. Quelque chose comme ça, par exemple. Et ensuite, vous allez passer le dégradé de linéaire à radial, puisque bien évidemment, on va avoir cet effet de halo de lumière, comme si le fond était éclairé et pas les côtés. Donc, on va avoir vraiment cet effet de dégradé en rond, donc radial. Et ensuite, pour chaque plan, vous allez devoir respecter un dégradé central, donc qui va être au milieu de votre image. Et donc, selon comment sera orientée la caméra, vous allez devoir Adapté. Donc pour ce plan là, le centre de l'image sera plutôt par là. Donc je vais sélectionner mon effet dégradé et je vais déplacer mes points. Je vais mettre le départ ici, donc là où est censé être la lumière la plus claire, et je vais mettre la couleur la plus sombre en dehors. Voilà, et là du coup on a quelque chose comme ça et encore une fois donc pour chacun de vos plans vous allez adapter. Donc comme je vous l'ai dit sur notre plan large ça va nous donner ça. Sur le gros plan comme on est quasiment dans l'axe, ça va nous donner quelque chose comme ça où le dégradé va être juste derrière le micro et le micro on en reparle juste après. Sur le plan de dos vu que la caméra est de l'autre côté vis-à-vis -vis du plan moyen, c'est littéralement l'autre côté, forcément le dégradé lui va se déplacer et bien évidemment pour le plan large le dégradé est au centre et maintenant on va aborder le sujet de la scène parce que c'est quand même assez important. Pour créer votre scène, c'est vraiment pas compliqué, ça va se faire avec deux éléments principaux Allemand. Premièrement, vous allez mettre un cache-couleur dans votre timeline et vous allez réduire sa hauteur, donc vous allez décocher la case échelle uniforme et passer la hauteur d'échelle de 100. À 10. Et une fois que cela est fait, vous allez descendre le cache couleur tout en bas de l'écran. On peut même passer la hauteur à 8. Vous allez reprendre l'un de vos dégradés, le copier et le coller sur votre cache couleur. Et ensuite, vous allez déplacer les lumières. Vous allez mettre un point clair à peu près au premier quart de votre cache couleur. Et le point d'arrivée, vous allez le sortir vers la droite. Vous allez le mettre relativement loin, histoire d'avoir un effet de lumière, comme je vous l'ai dit, avec un éclairage au premier quart. Et ensuite, une lumière qui va se réduire progressivement en allant vers les extrémités. Et pour la scène en elle-même, comment vous allez faire Vous allez dupliquer votre cache couleur. Et avec le cache-couleur du bas, alors vous allez commencer par le remonter un petit peu. Vous allez passer sa hauteur d'échelle de 8 à 12 par exemple. Une fois que cela est fait, vous supprimez votre effet dégradé. Vous faites un clic droit sur le cache-couleur du bas, vous sélectionnez Imbriquer, vous renommez votre cache-couleur scène par exemple et vous faites OK. Et à ce moment-là sur l'autre cache-couleur, vous sélectionnez à nouveau l'effet dégradé, vous faites copier, vous sélectionnez votre scène et vous faites coller. Le fait d'imbriquer le cache-couleur va faire qu'on va annuler cet effet de distorsion vu qu'on a modifié l'échelle de manière difforme. Donc forcément cette difformité va s'appliquer à l'effet dégradé. Et donc en imbriquant la séquence, on supprime cet effet. Et donc, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, on peut réappliquer l'effet dégradé. Je vais d'ailleurs réinitialiser le point de départ et le point d'arrivée. Et juste avant de replacer nos points dégradés, on va appliquer un effet quatre coins sur notre scène, justement pour la déformer et pour venir ajouter les coins en biseau. Donc, on met l'effet quatre coins sur notre scène. Et à ce moment-là, on va pouvoir venir la replacer. Voilà, comme vous le voyez, on a déplacé nos points. Et maintenant, on va pouvoir venir remettre notre lumière. Donc, on va venir mettre notre point d'arrivée un tout petit peu au-dessus de notre scène. Et ensuite, on va venir sortir un petit peu vers le haut notre point. D'arriver, histoire de créer un effet de dégradé radial. Et je vais même venir réduire encore un petit peu ma scène parce qu'elle est un peu grande. Un autre petit point très rapide, ça va être, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, de reprendre les micros d'un autre clip de Colors. Et en l'occurrence, je l'ai pris du clip avec pomme pour la bonne et simple raison que c'est sur fond vert. Donc pour le coup, pour le détourage, c'était tout trouvé. Du coup, les plans, ça va vous donner quelque chose comme ça. Et bien évidemment, c'est exactement le même principe de détourage que ce que l'on a vu juste avant. Donc d'abord, on fait un masque pour isoler le sujet. Et ensuite, on utilise l'effet Ultra Key pour enlever le fond vert. Et et ensuite il reste plus qu'à replacer le micro dans le décor et bien évidemment comme vous vous en doutez vous faites ça sur chaque plan on a bientôt fini on va faire quelques éléments visuels premièrement pour le texte de début vous allez mettre une couleur unie qui fait donc partie de la gamme de couleurs que vous avez choisie pour vos fonds. donc là comme vous le voyez la couleur la plus claire est exactement la même que la couleur de fond. donc là c'est ce que vous allez reprendre pour le texte d'intro et le texte d'outro et le texte d'outro quel est il vous allez avoir un premier texte au milieu un texte en bas à gauche un petit peu décentré qui va dire à la personne bah en gros de s'abonner tout simplement hein, c'est marqué subscribe sur color en bas normalement il y a marqué colors the studio pour le coup moi j'ai marqué new school studio et donc vous devez avoir une esthétique comme ça c'est relativement simple les seules informations qu'il y a vraiment à savoir c'est que pour le texte du milieu la taille de la police d'écriture sera de 40 après c'est toujours la même approche c'est toujours la même typo pour le abonnez vous la taille de la police va être de 60 et pour le tout petit texte du bas la taille de la police va être seulement de 20 donc là c'est vraiment juste quelques informations à savoir, il n'y a pas besoin d'épiloguer plus que ça. Et comme vous le voyez ici, on a une petite pastille qui va être présente durant toute la durée du clip, alors excepté bien évidemment sur les textes de début et le texte de fin. Mais en gros, pour créer ça, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez prendre un cache couleur blanc, vous allez décocher la case échelle uniforme, vous allez passer la largeur d'échelle de 100 à 5 et la hauteur de 100... À 11 et ça va vous donner donc ce petit cube que vous allez pouvoir replacer en bas à gauche de votre image. La position exacte c'est 246 par 953 comme ceci. Et ensuite pour finir, vous allez pouvoir placer un texte au milieu de votre rectangle. Donc on va retrouver les deux éléments qu'on avait dans notre texte d'intro d'un côté le News School et de l'autre côté le Studio. Le New School lui va être marqué sur plusieurs lignes avec trois lettres à chaque fois pour former un genre de rectangle. Encore une fois, et cette fois-ci, la taille de la police d'écriture sera de 17. Et juste en dessous, on retrouve notre mot Studio qui pour le coup va être vraiment tout tout petit et la taille de la typo sera seulement à 8 donc c'est vraiment très 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 petit et comme je vous l'ai dit du coup ce petit élément va durer tout le long de votre clip. Voilà c'est un tuto très long, très condensé, très complexe, j'en ai conscience là pour le coup c'est vraiment pas quelque chose qui est axé pour les débutants même si j'ai essayé de faire au plus simple donc prenez vraiment le temps de bien travailler tout ça et même moi à titre personnel avec l'expérience que j'ai rien que le montage m'a pris deux jours donc pour le coup ça va vous prendre du temps c'est normal. Ne vous pressez pas. Vous noterez que je n'ai pas parlé de l'incrustation des ombres sur le plan large au niveau des pieds notamment. Comme le tuto est déjà très 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 long, je réserve ça pour un autre tuto qui sortira assez rapidement, ne vous inquiétez pas. Mais comme c'est un sujet assez intéressant à développer de manière générale, je voulais pas qu'il soit perdu dans un flot d'informations, je voulais vraiment y dédier. Une vidéo. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner un retour en commentaire si vous aimez ce genre de tuto plus complet de temps en temps et surtout plus complexe, là pour le coup on pourra pas me dire le contraire. Encore une fois le compte Instagram de mon frère est dans la description, le clip en entier sortira demain. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, je vous fais des bisous et à plus